Ici, ça parle mode, ici, ça parle style, fashion, tendance, look, relooking. Vous êtes amoureux de la mode, vous êtes passionné du style, alors je vous rassure que vous êtes à la bonne adresse. Dès là, je vous souhaite meilleurs vœux et surtout bienvenue à notre émission Mode et Style. Et oui, je ne peux pas faire le pas sans pour autant remercier la boutique Coton, premier shopping mall qui nous accueille et qui s'occupe de mon outfit également. Sur ce, nous passons à notre rubrique tendance. C'est parti. La mode africaine va donc à la conquête du monde. Haute couture, création, transformation. Les Africains ne croisent pas les bras dans l'industrie du textile. Suivez ceci. De plus en plus présente sur la scène internationale, la mode africaine évolue suivant les influences venues d'Europe. Abandonnant les traditionnelles étoffes colorées, elle épouse d'autres matériaux et adapte des coupes plus classiques. Les créateurs sud-africains David Tlalé le dit, nous ne pouvons pas rester coincés dans le passé. Le monde a évolué, les tendances ont évolué. Sa collection de prêt-à-porter propose des coupes simples, de la mini-jupe à la robe très longue, sans motif traditionnel. Il s'agit d'avoir des coupes résolument modernes pour répondre aux besoins de la clientèle de base, la femme qui travaille. Les cultures urbaines dans lesquelles se reconnaissent de nombreux jeunes sont largement influencées par ce que l'on pourrait nommer Black Attitude. Aujourd'hui, les créations de la nouvelle génération des créateurs africains sont partout, dans la rue, dans les magasins, dans les défilés de mode, sur les continents et dans le reste du monde. Mais si elle veut conquérir la planète, la mode africaine doit encore opérer une autre mutation. Qui dit mode africaine, dit mode d'été, parce qu'elle se calque sur les climats d'Afrique. La mode peut devenir un acteur essentiel de développement durable, créatrice d'emplois dans les textiles, la confection, la bijouterie et la maroquinerie. Pour changer les mentalités, les créateurs ont fait des efforts sur la qualité, finition plus soignée et coupe qui s'adapte aux besoins de la vie urbaine. Tous pourtant sont confrontés à un problème de taille, le manque de financement. Pour les banques, la mode n'est toujours pas un investissement sûr, explique Kadi Diallo. Aujourd'hui, l'Afrique devient à la mode, mais il ne suffit pas de rajouter quelques broderies sur des vêtements et dire que c'est l'Afrique. Ce n'est pas honorable pour les Africains. L'Afrique n'est pas une mode, c'est une réalité de tous les jours. Chaque année, dans le monde de la mode, il y a de ces marques qui perdent en popularité et certaines gagnent la faveur du public. Voici quelques marques les plus populaires en 2023. Suivez ceci. Comme à l'accoutumée, les sites britanniques List a dévoilé le classement des marques de luxe le plus populaire. Je cite Miu Miu, Loewe, Prada, Bottega Veneta, Versace, Saint Laurent, Moncler, Valentino, Jacquemus, Burberry, Diesel, Gucci, Dior, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Skims, Fendi, Jimmy Anderson, Ferragamo. Nous ne parlons que de ces deux premières marques. À la tête du classement, Miu Miu qui remplace Loewe, la griffe italienne, petite sœur déjantée de Prada, est en plein boom depuis son défilé printemps-été 2022. Un saut dans la silhouette phare, un micro mini-jupe ultra taille basse associé à un crop top est devenu le look préféré de toutes les célébrités. Depuis, la marque créée par Miu Kia Prada en 1993 dessine l'allure des jeunes filles d'aujourd'hui. Les vêtements qui réussissent l'exploit d'être BCBG, sexy et utilisateur à la fois, inspirent allègrement les grandes enseignes et font la joie des influenceurs sur Instagram. À la deuxième place, on retrouve l'espagnol Loewe, dirigé par le créateur Jonathan Anderson. Sur la dernière marche du podium, l'aîné Miu Miu, Prada, a organisé l'un des shows les plus courus de la Fashion Week à Milan. Connaissez-vous ces grandes villes devenues références du luxe et de la mode? Ces grandes villes qui ont vu naître de grands créateurs et de grandes maisons du luxe et de la mode. Suivez. C'est capitale de la mode. Paris est une ville où l'élégance, les luxes et les glamours priment en matière de mode. En effet, Paris regorge des maisons de haute couture influentes comme Yves Saint Laurent, Chanel, Dior, etc. Nul ne peut parler de la mode dans le monde sans mentionner Paris. L'événement du monde qui a forgé la réputation de la ville lumière en matière de la mode est la Fashion Week. New York fut reconnue comme capitale de la mode lorsque Paris avait été détruit durant la Seconde Guerre mondiale. Sa réputation tire sa source de la notoriété des créateurs comme Marc
Marc Jacob ou Calvin Klein. En effet, la capitale américaine a également mis sur pied une Fashion Week digne des ce nom. Si la mode new-yorkaise séduit le monde entier, c'est aussi parce qu'elle est très bien représentée dans leurs séries. On peut le voir avec des séries populaires comme Gossip Girl. Avec autant d'élégance et d'originalité, il est impossible de ne pas tomber sous les charmes de ses créations époustouflantes. La mode britannique, c'est l'originalité, la singularité et surtout la prise de risque. Londres compte de nombreux stylistes inspirés de marques telles que Burberry, Stella McCartney ou encore Vivienne Westwood. Présente dans les Big Four comme capitale mondiale de la mode au même titre que les autres capitales citées plus haut, elle est incontournable dans le monde entier depuis 1960. L'impact des mouvements de mode y joue un grand rôle. Milan compte plus de 12 000 entreprises de mode, 800 showrooms et 600 magasins, dont des marques de renom telles qu'Armani, Prada, Valentino et Versace. La Fashion Week de Milan, l'un des événements mode les plus importants au monde, a également lieu dans cette ville. Milan est un marché de mannequinat compétitif, mais c'est aussi un excellent endroit pour démarrer une carrière de mannequin à l'échelle internationale. C'est là que nous mettons fin à la rubrique tendance et nous partons pour la rubrique clair-obscur. C'est parti. Et voilà, aujourd'hui, madame, messieurs, donc clair-obscur, votre petit cadeau de Noël. Ah oui, j'ai pensé à vous, je sais, je suis adorable. Alors, nous allons parler des couleurs de Noël. Les couleurs de Noël. Pour chaque cérémonie, pour chaque occasion, pour chaque saison, il y a bel et bien des couleurs déterminées pour ces genres de cérémonies ou encore d'événements. Alors, pour Noël, nous avons trois couleurs. Je citerai en premier lieu la couleur rouge. Pourquoi ? Parce que c'est la couleur la plus importante pour Noël. Elle renvoie, en fait, elle fait allusion au sang du Christ. Nous avons également la couleur verte qui fait allusion à la vie et à l'espoir. Nous avons aussi la couleur blanche, cette couleur qui renvoie l'image de la joie, de la paix, de la bienveillance. Alors, j'aimerais qu'on puisse avoir plus de détails avec notre experte du jour, Chacha Design, avec qui je suis sur ce plateau, ces beaux plateaux de Modestyle. Bonjour Chacha Design. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et toi? Vous êtes en forme? Moi, ça va, vous pouvez remarquer. Ouais. Moi, ça va, je suis bien habillée ce soir, je me dis que non. Merci à la boutique Coton encore une fois. Alors, dites-nous un peu, quelles sont les couleurs de Noël? Je sais que j'ai cité les couleurs de Noël, mais j'aimerais que vous puissiez un peu y revenir. La couleur vert et la couleur rouge restent les couleurs inoubliables du fête de Noël. Ok. Donc, les trois couleurs là, ce sont des couleurs des bases pour les fêtes de Noël, la fête, uniquement pour la fête de Noël parce que nous sommes à la fin de l'année. Mais il y a certaines personnes qui peuvent se dire que non, dans la tienne on a Noël, je peux encore le mettre pour la bonne année, la nouvelle année, la fête de Nouvel An. Alors, dites-nous les matières adaptées pour cette cérémonie de Noël. Est-ce qu'on est obligé de mettre n'importe quelle matière ou il y a des matières adaptées uniquement pour la fête de Noël? Si, il y a des matières adaptées. Oui. Comme par exemple le velours. Le velours. Ça reste la matière la plus adaptée pour le Noël. Pour la fête de Noël, mais on a le velours. On a aussi les satins. Les satins. On a aussi, on peut ajouter avec les garnitures, les dentelles. Les dentelles. Mais c'est ces trois couleurs-là pour les hommes. C'est trois matières. C'est trois. Ah oui, okay. Merci voilà. Beaucoup. On sent l'experte en action. Hein. Alors, ces trois couleurs-là, alors, c'est pour seulement les femmes, les hommes, les enfants. On ne sait pas comment, parce qu'il y a d'autres. Il y a un homme qui peut te dire que moi, je ne peux pas mettre du satin. Je trouve ça un peu féminin. Mais c'est le Noël. C'est Noël, c'est la fête, on ose. On ose ouais. Au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire pour sortir de l'ordinaire, c'est ça. Mmh. Alors, un petit conseil pour un gala, pour un dîner, un dîner pour Noël. Comment peut-on s'habiller pour un dîner de Noël, pour être chic, élégant, tendance et classe? Ce qui est plus important, la classe. Déjà que c'est la fête, vous devez choisir une jolie robe, chic, propre. Tout en respectant le thème de Noël, un pantalon, un t-shirt, pull oversize. Ah, le oversize, la base en fait. Mais oui. Les jupes aussi. Oui. Le blouse, du jaune, des belles blouses. Vous avez cité les vêtements en cuir, jupes en cuir et tout. Oui. Nous ici, on n'est pas à l'hiver, c'est Kinshasa, il fait très chaud, il fait extrêmement chaud, surtout pendant cette période de Noël. Ça peut passer. Oui. Ça peut passer, donc on ose, on n'a pas peur du climat et tout, on s'habille, on va au-delà de l'ordinaire en fait, si je comprends très bien. Alors, dites-nous un peu, pour les enfants,
nos petits-enfants, parce que la fête de Noël, plus, elle est plus pour les enfants. Les enfants, c'est les enfants qui aiment s'habiller pour Noël. Les grandes personnes, c'est très rarement de voir les grandes personnes dire que non, voilà, je vais m'acheter des vêtements pour Noël, à moins que tu aies un dîner, par exemple, soit une sortie un peu plus particulière avec tes amis ou ta famille. Mais pour les enfants, comment habiller son enfant pour Noël? La plupart des parents sont un peu perdus là-dessus. Ils ne savent pas comment je peux m'habiller mon fils ou ma petite fille pour Noël. Des gens devront savoir que les enfants doivent s'habiller, doivent être à l'aise avec le tennis. Mm-hmm. Donc, on peut miser avec le tennis, pas trop si grand, pas trop si petit. Donc, okay. Le tennis qui les convienne, en fait. Vous pouvez miser avec les jeans, le t-shirt, pourquoi pas la chemise, les gilets aussi, c'est à la mode pour les enfants. Ben, la robe princesse pour les filles et le jupe en tuile. Alors, des matières fleuries. Qui des imprimés fleuris aussi pour Noël, est-ce que ça peut passer? Oui, ça peut passer, pas trop de motifs en fait. Pas trop de motifs. Ouais. Motifs comme des étoiles, la neige, la lune, donc des motifs qui symbolisent en fait le Noël. Ok, la lune, ah oui, là je viens d'apprendre quelque chose de très important. Je vais les rajouter dans mon sapin de Noël, vais rajouter une petite lune là parce que je ne l'avais pas mis. Je ne pensais pas le mettre parce que je n'ai pas encore monté mon sapin de Noël. Pour donner de l'éclairage. De l'éclairage, ouais. C'est très important parce que vu les thèmes de Noël, ça renvoie l'amour, la fête, la joie. On célèbre la naissance du Christ, alors il faut la lumière. Ouais. Ok, alors les couleurs, il y a des couleurs qu'il faut éviter pour Noël? Généralement, il n'y a pas de couleurs qu'il faudra éviter. Toutefois, toute personne a sa manière de s'habiller. Mm-hmm. On a déjà les rouges, on a les verts. Mm-hmm. Bon, il faut faire avec. On souhaite mettre les couleurs un peu pâles. Mm-hmm. Bon, il n'y a pas de couleurs vraiment spécifiques à éviter. Voilà. Alors, un petit conseil pour éviter d'être vulgaire. Parce que, Thierry, excusez-moi que vous avez cité, vous avez énuméré là. Ce sont des matières, quand elles sont mal portées, elles sortent vulgaires. Alors, pour éviter d'être vulgaire, parce que la classe et la vulgarité ne marchent pas ensemble. Un petit conseil à ces jeunes filles, à toutes les jeunes filles qui nous suivent en ce moment. Toutefois, vous devez s'habiller par rapport aux saisons. Donc, vous devez respecter les saisons. Donc, on ne peut pas porter n'importe quelle de matière, les saisons de sèche ou les saisons de pluie. Donc, on doit faire la différence. Par exemple, le coton et le polyester, c'est différent en fait. Le polyester, ça chauffe et puis ce n'est pas confortable quand il fait très chaud. Mais le coton, c'est facile, même quand il fait chaud, ça absorbe en fait la chaleur. Alors, et pour une maman par exemple? Une jolie blouse. Tout en respectant le thème, soit en vert, soit en rouge, soit en blanc, une jolie blouse, une jolie robe, voilà. Alors, vous partez sur des choses assez simples. Je dirais, c'est parce que le cadeau ne porte pas, c'est l'intention, en fait, qui a plus de valeur. Optez pour un pull oversize pour votre fille, une robe pailletée, une robe rouge pailletée. Et n'oubliez jamais de respecter le thème de Noël qui est donc le rouge, le vert et le blanc. Alors, Chacha Design, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour cette expertise dont nous avons bénéficié dans ce plateau de Mode et Style. Et aussi à vous, chers téléspectateurs, merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas de mettre en pratique ce conseil que vient de nous donner notre experte Chacha Design. C'était donc ça, votre petit cadeau de Noël, madame, messieurs, chers amoureux de la mode. Je dis aussi merci à la boutique Auton, premier shopping mall pour l'espace et aussi de m'avoir rendu belle et présentable devant vous. Alors, on se dit à très bientôt. Nous passons maintenant à notre rubrique Stylé de la semaine. À la cinquième position, on retrouve notre influenceuse Queen Tech, très belle dame, mais seulement là, les chaussures n'y vont pas du tout avec ce look. À la quatrième position, c'est bel et bien notre très chère Ursine Dinga, très belle dame, mais seulement là, on sait savoir que la robe ne lui va pas du tout. Et à la troisième position, on retrouve Dorcas Dienda, notre Miss Vodacom. Elle est parfaite, elle est belle dans sa robe. À la deuxième position, on retrouve Naomi Eyoma, très belle dame, la tenue, la couleur, tout est parfait sur elle. À la première position, on retrouve Didi Stone. Notre Didi Stone, elle est très bien habillée avec cette robe qui met en valeur sa silhouette, la coiffure, tout est beau.
Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission, madame, messieurs. Merci de nous suivre. Également, merci à La Boutique Coton. On se retrouve très prochainement. InOff TV, vivez la télé dans sa dimension créative.